et Maestro, on se retrouve pour une nouvelle vidéo carrière manager avec la Juventus, les gars. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Donc, comme vous voyez, prochaine rencontre dans 15 jours face à Com. Les gars, vous avez été nombreux à commenter. Merci encore infiniment de vos commentaires, de vos likes. Et puis, j'espère que la carrière va vous plaire. Mais donc, niveau mercato, vous m'avez conseillé pas mal de joueurs que j'ai évidemment ajoutés à ma liste, comme d'habitude. Oh non, Depay, il a signé au Barça. Dommage, il était agent libre, pour ceux qui se rappellent. Donc, vous m'avez conseillé pas mal de joueurs. J'ai lancé des rapports sur eux. J'attends tous les rapports avant d'attaquer les négociations avec n'importe quel joueur. Donc, voilà. On attend tout simplement. Tac, 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 ok. Donc là, la Juventus, ouais. D'ailleurs, est-ce que Zegrova, j'ai eu le rapport? J'ai vu qu'il y avait peut-être le rapport. Alors, Zegrova, il est où? Zegrova, il est là, 79 de général, 25 ans. Très, très, très fort techniquement. Il est assez rapide en plus, avec Lille. Il est très fort, les gars. J'ai bien envie de me le prendre et de le mettre à droite. Vous avez été plusieurs à valider la piste. Donc, c'est parti. On va essayer. En plus, il coûte pas très très cher, en vrai de vrai. Donc, il y a peut-être moyen. Les gars, oui, je viens d'arriver. Laissez-le nous, quoi. Je sais pas. 26 millions d'euros pour Zegrova. 28 millions. Mon gars, moi, je te dis. 27 millions pile. Et puis, on n'en parle plus, normalement. 24 millions. Mon gars, oui. 27 700 000. Voilà, merci. Donc... toujours négocier, les gars. Même si c'est peu, toujours négocier. Comme ça, vous voyez ou pas. On avance. Négociation avec Zegrova qui a été modélisé. Hein. Il est très, très, très bien fait. Contrat de 5 ans. Ah, il veut 3 ans. Bon, bah, 3 ans. Tac, on ignore la clause. Le salaire, wesh, il a bien augmenté. 20 buts. Et il gagne 2 millions. Vas-y, 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 Zegrova. Si tu mets 20 buts, mon gars... Après, c'est possible, hein. C'est possible. Mais 20 buts, c'est quand même énorme. Voilà, c'est tout ce que je dis. Surtout pour un ailier droit. Voilà, voilà. Conceição, du coup, il va venir sur notre banc tranquillement. Gonzalez, en vrai, les gars, ouais, je vais le mettre réserviste, hein. Désolé. Je ne sais pas s'il y en a qui l'aiment ou pas. On m'a dit Coupe Mainer de le mettre ici et de le faire jouer même plus souvent parce qu'il est très, très fort, apparemment. Donc... je vais le mettre titulaire à la place de Locatelli, je pense. Hein. Kefren Thuram, j'y touche pas. Attendez, attendez, attendez. Sinon, je passe à 3. Ouais, je vais passer à 3, les gars. Je vais passer à 3. Je vais passer à 3. Voilà. Là, ça sera peut-être mieux. Locatelli là. Lookman là. Zegrova. Et là, du coup, je peux mettre Coupe Mainers. Ouais. Voilà, c'est bien comme ça. Là, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Donc, le gardien, on l'attend, les gars. Digo Griot, il ira sur le banc. Niveau défenseur central aussi, on m'a conseillé des joueurs. J'attends des rapports comme ça. Après, on va sûrement les prendre. Par contre, vous ne m'avez pas beaucoup conseillé de latéral gauche et droit. Hein. Donc, il va falloir que j'en cherche. Tac, tac, on continue d'avancer. Pourquoi ça s'est stoppé? Ah oui, 12 rapports de recrutement mis à jour, 13. Offre de transfert reçu pour Milik, c'est un prêt. Ok, on va rejeter le prêt. Je n'ai pas envie. Donc, on continue d'avancer. Nouveau poste pour Lookman. Let's go. Lookman, comme vous savez, moi, j'ai envie de le faire jouer ailier gauche. Donc, on va lui mettre le poste d'ailier gauche. C'est aussi simple que ça. Tac, activer changement de poste. Voilà. Parfait, parfait, parfait. On avance encore un tout petit peu. Voilà, 3 jours. Et on va aller voir les rapports que notre recruteur nous a ramenés niveau gardien. Donc niveau gardien, là, le meilleur à prendre, je pense, c'est Lucas Chevalier. 81 millions d'euros. Après, 80 millions d'euros, 81 général, pardon. Après, reste, il a 3 ans de moins, 3 générales de moins. Il coûte un peu moins cher. Je pense que c'est le meilleur à prendre. Mélier, ouais, il coûte pas cher, mais voilà quoi. Il a déjà 24 ans, il a que 74 de général. Après, en vrai, le goal là, pour l'instant, c'est pas la priorité. Je pensais plus, moi, à Donso et Martinez. Martinez, j'ai vraiment. Cette équipe ne vendra pas ce joueur. Ah, les gamins!
Et on n'a pas assez pour la clause, donc ouais, il va rester là où il est. Melvin Barr, il a 78 de général. Bradley Loco, 22 ans. Ouais, parce que là, Jorginho, ça aurait été pas mal aussi. Mais en vrai, Salvini, ouais, il vient d'arriver à Leverkusen. Medina, 26 millions quand même. Ouais, parce que bon, à la rigueur, dans l'axe, ça peut le faire. Il y a Gatti et Bremer. Et en plus, il y a Danilo sur le banc. Et je pense même que Danilo, je vais le passer titulaire. Rapidité 75. Lui, il a que 77. En vrai, Danilo, il va être titulaire à droite. Et là, ce serait à gauche qu'on aurait besoin, là. Rapidité 71, Cabal. Ouais, c'est plus à gauche. Est-ce que je recrute Melvin Barr, les gars? En vrai, il me faudrait Melvin Barr. Il me le faudrait un latéral gauche. Et j'ai que lui. Après, j'ai Nuno Tavares ou Loco ou Melvin Barr. Après, Melvin Barr, il est plus rapide. Allez, on va négocier pour Melvin Barr. C'est parti, on va se mettre directement à 19 millions 10 000. On va voir ce qu'ils en disent. Mais pourquoi ils veulent tous Thuram? Bon, c'est pas une question à se poser, il est hyper fort, mais. Oh, voilà quoi. 19 millions. En plus, il s'accepte dessus directement. Let's go! Négocier avec Melvin Barr, titulaire important. Ouais, il sera même titulaire indiscutable, hein, sans vous mentir. Ok, on accepte, pas de clause de libération et ni question salaire. Je vais juste lui mettre 40 000 et une prime à 400 900 quand même. C'est pas mal là. Quoi? Mais Melvin Barr, ouais, j'arrête de faire la star, frère. C'est quoi ça? Wesh, tu passes de la Juve à Nice, tu veux faire le ouf. Bah, du coup, je vais prendre Bradley Loco. En plus, il me coûtera peut-être moins cher. C'est quoi ça, les gars, wesh? Non, il y a des joueurs, ils abusent. Hein. Il y a des joueurs qui abusent de ouf. 14 millions d'euros. 21. Ouais, je mets une barre, je ne le payais pas aussi cher. Hein. 17 millions d'euros. Maximum. 18 millions d'euros. Vas-y, on accepte. C'est ce qu'on avait proposé pour Melvin Barr. Lui, il n'a pas intérêt de faire sa star. Hein. Les gars, tu passes de Brest à la Juve. Normalement, tu négocies pas ton salaire dès le début. Hein. Enfin, après, ils font ce qu'ils veulent. Et lui, on va lui mettre 35 000. Il va pas me coûter cher quand même. Et on va lui mettre une petite prime. 10 invincibilité, je te mets 900 000. Presque 1 million, quoi. Mais wesh, mais ils sont fous, quoi, les gars, wesh. Ils attendent quoi de nous? Là, j'ai plus de défenseur gauche. Nuno Tavares, on peut pas. Ils sont complètement fous. Les gars, vous êtes d'accord avec moi ou avec FIFA là? Parce que c'est pas normal. Il y a qui en défenseur gauche? Fran Garcia, ouais non. Barthezaghi, ouais, il joue à Milan. Ils vont pas vouloir nous le prêter. Ouattara, on va voir. Gudmundsson, on va voir aussi. Ok, Nuno Tavares, on a dit on peut pas. Mathias Oliveira. Oh, il est approché par Bansmousse, à mon avis, il va se casser dans pas longtemps. Tac, 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 tac. Sanchez, il est prêté, ça sert à rien. Ok. Donc là, c'était espoir, tout poste renfort, équipe première. Défense digne de l'équipe. Il y a qui en défenseur gauche? Biragi? Ouais, pas ouf. Melvin Barr, Espino, 32 ans. Zappa Costa aussi, voilà quoi. C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'on aimerait des plus jeunes. Tout simplement. Renfort équipe première. Ça, normalement, il y aura des bons joueurs ou c'est les mêmes que tout à l'heure. On dirait les mêmes, hein. Il y a Abner Vinicius, pourquoi pas, qui joue à Lyon. Ça peut être pas mal, Abner. Ok, il n'y a plus grand monde. Donc, après, les gars, en vrai, normalement, il y a Benjamin Mendy. Simple et efficace, non? Il peut revenir au bon niveau. Benjamin Mendy, 30 ans, il joue à Lorient. Je me renseigne sur lui.
Puis je pense qu'on va prendre Benjamin Mendy. C'est un joueur que j'apprécie malgré ce qui s'est passé et tout. Footballistiquement, si on parle que de football, les gars, Benjamin Mendy, il est chaud patate quoi. Allez, match face à Comé. Analyse de l'adversaire. Cesc Fabregas, l'entraîneur de cette équipe. Bah ça va en vrai, il y a Belotti qui trône. Ouais. Bon, normalement on gagne, hein. Conférence de presse. Non, conférence de presse, j'ai dit, commencez pas à m'arnaquer, vous. Allez, Thiago Motta, première conférence de presse avec un taux de réussite d'environ 90%. Mais on va l'encourager, hein, c'est bien. 86% de précision aussi. Vlahovic, ça m'a derrière, disons, c'est la performance, le taux attendu. Qu'attendez-vous de Vlahovic? Il est en forme, hein, ça se fait. Allez, espérons, Vlahovic est notre fierté. Ok. Voilà, on a répondu aux trois petites questions. Locatelli qui reçoit une offre. On va refuser hein, l'Inter de Milan. Vous êtes gentil, mais voilà quoi. Rotation, j'y songerai, mais Milik. À la rigueur, tu vas rentrer, mais je te jure que tu vas pas jouer à la place de Vlahovic. Hein? Quand même. Soyons réalistes. Donc, normalement là, ailier gauche. Ah mais non, il n'y a personne encore. Il n'y a personne, il n'y a personne. J'ai pas eu de rapport. Ok. Bon. C'est parti de mail non lu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Au poste de capitaine, Danilo. Danilo capitaine, ouais, ça peut être pas mal. Lookman, on l'a déjà fait. Allez, c'est parti. Là, c'est le match. Enfin, face à Comé. Let's go. Premier match de la saison à domicile. Et premier match de la Serie A aussi. Une grande saison s'annonce, les gars. Allianz Stadium, le stade est magnifique. Allez, hein. Oh, Thiago Motta et Cesc Fabregas qui parlent ensemble. Ça, c'est la vraie vie, les gars. C'est la vraie vie. Oh là 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 là. Allez. On espère un gros match. Il y a l'affichage de la Serie A, bien évidemment. C'est parti, les gars. Premier match à domicile face au nouveau promu. Mais bon, ça reste une bonne équipe quand même, hein, faut se méfier. Coupe Mainers, ok. Thuram. Oh, Thuram, non, perds pas ton premier ballon comme ça, surtout à domicile. Bien joué. Allez, on va aller se faire une occasion ensemble, les gars. Danilo, bien joué. Ok, Fran Thuram. Non, il est pas dedans, il est pas dedans ce début de match. Il va se mettre dedans petit à petit. Aïe, 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 qui trône, le lob, il est parfait. Surprise, les gars, l'Allianz Stadium. Comé qui marque en premier. Aïe, 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 on est mené. Comment notre équipe va réagir? Ça va être intéressant. Allez, Lookman. Oh, Lookman, il passera même pas, les gars. Purée. Ça va être chaud. Ça va être chaud de réagir à ça. Bien joué, Thuram. Purée, y a rien, y a rien, y a rien. Bien joué, Zegrova. Coupe Mainer. Ouais. Zegrova, ok. Zegrova, purée. Ça passera pas. Derrière, long dégagement du gardien. Ok, Lookman. Lookman. Eh non, Lookman. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe, 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 aïe. Wesh, il nous fait ce qu'il veut, lui. C'est un ouf. Bien joué, ça c'est dans les bras de Dick Gregorio. Oh. On y va, Kefren Thuram. Bien joué. Bien joué, Cabal. Bien joué, bien joué. Coupe Mainers. La frappe de loin de Coupe Mainers. Franchement, elle partait très très bien. Allez, corner. Juste pas avant la mi-temps. But sur corner, c'est magnifique. Locatelli, Vlahovic. Ok, il y aura un deuxième corner. Faut mettre plus de puissance avec Locatelli là. Ah bah là, elle part pas très très loin. Voilà, là elle est bien. Oh, c'est quoi cette parade? Non, les gars. 1-0 pour Comé à la mi-temps. Non, 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 non. Que à la mi-temps à la rigueur. Hein. Fin du match, je veux pas de ça. Allez, c'est parti les gars. Deuxième mi-temps. Let's go. La frappe à côté de Comé là, vraiment elle était pas très très inquiétante. Mais bon.
Ils ont quand même eu une occasion, hein. Et nous, pour l'instant, on n'en a pas eu en deuxième mi-temps. Ça serait bien qu'on s'en procure une. Bien joué, Lookman. Bien joué pour Coupe Meiner. Le centre. Mais purée, il l'aura pas. Et derrière, ballon perdu de Thuram. Il en perd trop dans ce match, Thuram. On va le sortir prochain arrêt de jeu. On va d'ailleurs rester ensemble jusqu'au prochain arrêt de jeu. Comme ça, on fera plusieurs changements aussi. Coupe Meiner. Ah là 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 là, le Lookman il a découpé les joueurs là, purée. Derrière Com qui garde la balle, bien joué de Locatelli. Bien joué. Lovic. Purée, on l'a pas eu là. Du bout du pied, c'est dommage. Bien joué Thuram. Coupe Meiner. Frappe de loin. Let's go! La frappe elle est magnifique! Poteau rentrant les gars, j'y croyais même pas un petit peu quand j'ai frappé. Enfin, quand j'ai frappé si, mais quand la balle elle est partie, je pensais qu'elle allait être contrée et arrêtée par le gardien, j'en sais rien, mais non. Coupe Meiners, l'abonné qui m'a dit de le mettre, merci à toi. Il est très 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 fort. Oh là 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 là, dans le jeu déjà, il réussit toutes ses passes, fait des bonnes interceptions, et derrière il a une frappe, mais de malade, hein. C'est pas sa première frappe en plus dans ce match. Franchement, elle est parfaite. Donc, un partout, ça c'est fait. On va faire entrer Mbangula direct. Milik. Zegrova, on va. Non, ouais, quand c'est ça, on va mettre de l'explosivité. Zegrova, je pensais plus. Hein. Thuram, on va le sortir. Timothy Weah, il va rentrer en tant que milieu central, les gars. J'ai confiance en lui, vous inquiétez pas. Et après, à gauche, on va mettre Pierre Kaloulou qui va rentrer également. Et puis, c'est parti, les gars. Allez. Pour cette fin de match, faut la victoire. Hein. Faut la victoire absolument. Là, il y a quoi? Il y a un partout, 67e minute de jeu. Mais vous savez quoi? On va la faire ensemble, la fin du match. Comme ça, vous allez voir un peu nos rentrées, qu'est-ce que ça a changé tout. Attention, très très bon ballon de la part des joueurs de Comet. Gatti, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est bon. Sans danger. Bien joué quand c'est ça. D'ailleurs, on m'a demandé si j'allais lever son option d'achat, sûrement. Oh, dommage, Vlahovic, purée, j'ai tenté. Allez, 17 minutes pour la victoire. Oh oui, bien joué, Timothy Weah. Bien joué. Non, comment je rate ça? Pourquoi il a frappé tout doucement? Purée, Vlahovic. Attention, hein, si tu rates trop, tu peux sortir, mon gars, quand c'est ça haut. Il se l'emmène, il frappe. Quand c'est ça haut, le Portugais. Let's go! Sa grinta, les gars, elle fait beaucoup de différence. Je trouve que ce joueur, Conceição, même quand il était rentré à l'Euro, les gars, tu sens qu'il est là. Tu sens qu'il est là. Tu sens qu'il est chaud patate. Tu sais qu'il est rentré, quoi. Il met de l'intensité et j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Là, il se l'emmène. Frappe, pétard, croisé. But! Voilà, c'est ça qu'on demande d'un attaquant. 2 buts à 1. La Juve peut sourire pour le moment. Il reste 13 minutes. Ça serait bien qu'on aille enfoncer le clou maintenant. Je veux bien être mené pendant le match, mais je veux pas être mené à la fin du match, les gars. Eh ouais. Eh ouais. Bien joué, Danilo. Y'a quoi? Y'a quoi? Dites-moi, y'a quoi, les gars? Dites-moi, y'a quoi dans les commentaires, s'il vous plaît. On est d'accord que là, c'est du vol. Bien joué, le mur là, qui sonne bien comme il faut. Allez, les gars. Hein. Allez. Allez, allez. On l'a. Bien joué. Di Gregorio, les gars, il est chaud quand même. Même en pré-saison, il nous a quand même fait des matchs de ouf. Bien joué. Allez, pourquoi pas relancer? Pourquoi pas relancer rapide? C'est quand c'est ça ou en plus. Ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Et il va très vite. Il va très vite, les gars. Oh, dommage. Ok, il joue en mode long ballon. Et en plus, il gagne les duels. Donc là, ça peut se transformer en danger. Bien joué. Oh là là, Coupe Meiners. Qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon. Comme c'est ça. Oh, pour Vla. Ça sera pour personne. Aïe, 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 aïe. Coupe Meiners, qu'est-ce qui se prend. Bon, après, c'est de ma faute. Hein. J'ai taclé un peu. J'ai taclé un peu comme un débile. Il va lui mettre. Ouais, c'était sûr. Ok, bien joué, bien défendu Danilo. Gros dégagement devant, on s'en fout. Victoire 2 buts à 1 à l'Allianz Stadium, les gars. C'est parfait. On commence.
Pas un match, un peu piège, hein, comme certes, tu te dis c'est le premier et tout, mais c'est l'un des meilleurs promus de Serie A cette saison. Donc, ils nous ont menés, mais les gars, on a gagné. Mais on a remporté combat de titans. Combat de titans aujourd'hui. Ok, bon, si la question c'est ça, on va encourager Bremer. Hein. Il a fait une très très belle performance. Coupe Mainer, on va célébrer la performance. Et Locatelli a intercepté beaucoup de ballons. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il est chaud quand même, Locatelli. Donc, les gars, première victoire en Serie A. Ça fait plaisir. Nouveau message de Milik. Ah oui, on ne l'a pas joué. On ne l'a pas fait jouer. On ne l'a pas fait jouer. Bon, c'est pas grave. Wesh, Douglas Luiz, c'est évident. Une déception de ne pas être sur la feuille de match, mais je veux me. Oui, voilà, bats-toi, mon gars. Ça, c'est une bonne mentalité. Une mentalité qui fait pas chier, quoi. Donc, dans 5 jours, on joue face à Hellas Vérone. Qui a dû prendre un petit score quand même, parce qu'ils sont derniers. Mbangula, c'est mort. Il reste chez nous. Et puis là. Est-ce qu'il y a un défenseur gauche? C'est qui? A part mis à jour. Oh oui, ils ont mis à jour pour les latéraux gauche. Moi, les gars, les joueurs qui m'ont refusé le salaire tout à l'heure, je vais pas du tout retenter. Hein. C'est bon. Ils font chier. Nuno Tavares. Oliveira. Donc, il a 77 à 26 ans. Seulement 70 de vitesse. Ouais. Abner Vinicius, ça a l'air d'être pas mal. Benjamin Mendy aussi. Mais on n'a pas encore le rapport final en fait. Donc je dois attendre. Le tournoi jeune est bientôt terminé. Comment ça? Comment ça? Comment ça? Comment ça, mon ref? Analyse de l'adversaire face à Hellas Vérone. Normalement, on doit gagner de toute façon. On est bientôt terminé. On est en quoi là? On est en quart de finale. On peut pas simuler les matchs. C'est dommage. Dites-moi si vous voulez que je joue les tournois de jeunes. Benvenuti 45% de tacle. On va minimiser. Ouais, non, Thuram, c'est trop. Hein. Thuram, c'est vraiment trop. On va encourager Thuram. Il a besoin. Et Gatti, vos adversaires, notamment à cause de leur défense. Gatti, il joue pas. Il joue pas, il joue pas. Donc, voilà quoi. Tac! C'est parti! Oh, il y a deux offres. Attendez, on va aller voir ça. Arthur, de la part du Milan. Je pense pas qu'on va le. Ouais. 10 millions d'euros en plus, c'est tout. Coûte pas cher. Hein. Nico Gonzalez, il veut jouer. Déjà, c'est pas ton rôle, mon gars, de décider. Voilà. Moi, je dis les choses cash. Hein. Vaut mieux les dire cash dès le début qu'après. Voilà, faire regretter nos joueurs. Mais, tout de même. Je vais le mettre sur le banc. Ah oui, ils le disent aussi. Purée, les gars, on a trop de joueurs en vrai. En vrai, de vrai, on a trop de joueurs. Mbangula, en vrai, on va le mettre là pour le moment. Et ils le disent, ouais, ils le disent. Je suis obligé de le mettre sur le banc. Ouais, Timothy Weah, je le veux. Il est trop polyvalent. Ouais, on va faire ça. Hein. On va faire ça, on va faire ça. Ouais, ils disent il me faut sur le banc, obligé. Allez, c'est parti, face à Hellas Vérone, là-bas. Attention, hein, ça aussi, ça peut être un match piège, mais normalement, on s'impose. Thuram. Allez, voilà, réussis tes passes là, prendre la confiance. Ljovic, il se retourne, il enroule. Et presque but, hein. Bien joué, Zegrova. Le centre, il est bon. On l'a retourné, dommage. Kefren Thuram, il est contré. Aïe, 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 aïe. Bien joué Thuram. Très bonne récup. Bien joué Thuram. Wow, monsieur! Il y a faute, pénalty, coup franc, il y a quoi? Il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi? Eh, le maillot de la Juve, il est magnifique, les gars. Purée. Allez, tiens, carton jaune. Bien joué Zegrovin. Incroyable prise de balle. Il pouvait que faire faute. Que ça. Soit c'était but, soit c'était. Oh, 89. Je l'attends de côté ouvert ou. Ouais, là, ils vont sauter. Hein. Ouais, ils sautent, purée, c'était sûr. Dommage, les gars, j'ai raté un beau coup franc là.
Je suis pas le meilleur tireur de coup franc non plus, sans vous mentir. Locatelli. Bien joué pour Vlahovic. Boum! Le pétard! Terre premier poteau! Même moi, je l'avais pas vu venir cette frappe, mais bon, j'ai frappé, il fait ce qu'il veut. Tant que ça finit au fond des filets, c'est parfait, les gars! Premier but pour Vlahovic en Serie A cette saison. Mais ça sera pas le dernier, moi je vous le dis, il va finir dans les meilleurs buteurs de la Liga. De la Serie A, pardon. Excuse me. Allez, 1-0, 17ème minute de jeu. On est là pour les écraser de toute façon. Bien joué. Zegrova. Pour Vlahovic dans la profondeur. Vlahovic. Il la prend parfaitement. Et il la cale parfaitement aussi. 2-0, 20ème minute de jeu. Ok, magnifique. Et passe décisive du coup pour Zegrova. Magnifique, les gars. On y va avec Lookman. Avec Vlahovic maintenant. Oh là 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 là, comment il élimine! Comment il frappe poteau! Mais non! Le but allait être magnifique! Il a bien travaillé le défenseur. C'est vraiment dommage. Kefren Thuram. Coupe Meyer. Zegrova. De loin! Belle frappe tout de même. Hein. 32e minute de jeu. Là oui, Locatelli, pardon. Pour ce corner, ça a été repoussé par tout le monde. Kefren Thuram. Coupe Meiner, il est seul. Oh là 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 là, ça partait dans la lucarne, j'ai l'impression. Voilà. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, mais on a encore le ballon. Non, Zegrova, il est parti trop loin, dommage. Allez, on va rester ensemble jusqu'à la mi-temps. Allez, bien joué. Il y a faute, il y a faute, il y a faute. Il va siffler celle avec Galtier, bien évidemment. Mince, là je l'ouvre. Ouais, non. Ouais, si. Mais qu'est-ce qu'il a fait, mon goal? Mais les gars, c'est une blague ou quoi? Vous avez vu ce que mon goal il a fait? Bien sûr qu'on se prend le but là. En plus, j'ai fait sauter le mur trop tôt, malheureusement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à aller sur la balle et il a sauté à l'opposé. Mais les gars, wesh! C'est quoi ça? Mais c'est une dinguerie ce qui vient de se passer. C'est trop une dinguerie. 41e minute de jeu, du coup. 2 buts à 1. Réduction du score de Hellas Vérone. Super. On aurait pu l'éviter celle-là, mais bon. Lookman. Le centre au deuxième. Kefren Thuram. Kefren Thuram. Il rate trop de passes, les gars. Des fois, j'indique autre part. Par exemple, là, j'ai indiqué Coupe Meiners. Juste en bas. Il a forcé la passe dans l'axe. Je ne sais pas pourquoi. Oh là là, c'est juste à côté. Il fait peur, mon gardien Di Gregorio. C'est chaud, les gars. Deuxième mi-temps. Lookman. Lookman. Lookman, c'est magnifique. Lookman, la vitesse. Lookman. Pour Zegrova, let's go! Bon, j'aurais pu tirer avec Lookman aussi, les gars, mais je voulais donner le premier but à Zegrova. Après, c'est vrai que Lookman, il n'a pas aussi marqué. Hein. Ouais. Bon, c'est pas grave, les gars. Au moins, les deux, ils sont décisifs. Les deux, ils ont fait un effort de malade. Donc, les deux sont récompensés. 3-1 face à Hellas Vérone. Ouais, ça allait pas se finir par un but d'écart. Hein. Moi, je vous le dis. Et on va encore marquer. Et puis, j'espère que, par contre, ne vont pas marquer. Locatelli, let's go! Il est trop fort, Locatelli. Bien joué, Danilo. Bien joué, Locatelli. Pour Kefren Thuram. Kefren Thuram. Allez, on va jouer en haut tranquille. Cabal. Ok. Lookman, wesh. Il n'y a même pas eu de dribble, rien. Non! Il y a un gros trou. Bien joué, Di Gregorio. Let's go. Heureusement qu'il finit mal l'action là. Ça aurait pu faire 3-2. Et derrière, ça va peut-être faire 4-1. Mais non! C'est quoi cette parade de ouf? Incroyable! Oh là là, les matchs partent dans tous les sens. Lookman. Contré.
Oh purée, j'ai cru qu'elle allait partir bien comme il faut. Bon les gars, dernier quart d'heure ensemble. Allez, j'aimerais bien rajouter un quatrième but là, ça serait parfait. Bien joué, Mainers. Bien joué. Oh, oh la passe de Lookman, même moi je l'avais pas vu les gars, pour vous dire. Des fois FIFA, ça fait pas les passes qu'on veut. Des fois c'est très énervant, mais là par exemple c'est très très... C'est très satisfaisant, hein, parce que la passe en plus elle est magnifique. Pff, oh là là, entre les deux joueurs, c'est gros, à contrôle, but direct, rien à dire. 4-1, on va faire des changements. Milik qui va rentrer, enfin, hein, le pauvre. Yildiz, il va rentrer. On va faire entrer Gonzalez. Ouais, Yildiz, il va plus rentrer au milieu de terrain. Je le vois bien, moi, au milieu de terrain 10. Conceição ici. Et Timothy Weah également. Que de l'attaque. Que de l'attaque, les gars. Même si on mène 4-1, que de l'attaque. Ah, purée, ils n'ont pas fait les changements avant de... Avant de reprendre. Purée. Bon, bah les gars, on va jouer. Hein. On va jouer la dernière action avec nos joueurs titulaires. Vlahovic, faut aller en haut, Vlahovic. Mais non, c'était une feinte de frappe. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Oh là 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 là. Oh là, Thuram. Ah ouais, non, ok. Il va même pas rentrer, il 10 du coup. Carton rouge. Mais pourquoi il rentre pas mes joueurs? C'est quoi le délire là? Bon, Yildiz, du coup, je vais le faire entrer. Gonzalez aussi. Et ici, ouais, je vais faire entrer Conceição, c'est pas grave. Là, on est d'accord, les gars. J'ai fait les remplacements. Reprendre match. Tac, tac, reprendre match. Ok, on va bien voir. Hein. On va bien voir après ce but si ça a été pris en compte. Oh, dommage. Belle parade du gardien. Ok. Quoi? On ne l'a même pas là? Ok, c'est bon. Tous mes joueurs sont rentrés. Oh, ça va vite là. Il y a une différence quand même. Tu sens que les joueurs, ils sont neufs. Mais il ne reste plus que 4 minutes, purée. Bien joué. Ils le disent. Pas cadré. Mince. On aurait pu jouer mieux en plus, ça se trouve. Locatelli, ouais, on est à 10 contre 11. Prochain match, il n'y aura pas de Kiefer Thuram. Début de saison compliqué pour Kiefer Thuram en Serie A. Je m'attendrai à mieux, ils disent. Ok, ça passera pas. Il reste 20 secondes. Est-ce qu'on aura le temps de faire une occasion ou pas? Je pense que... Ça va être chaud, mais on l'aura l'occasion. Non, le poteau de Nico Gonzalez. Oh purée les gars, j'ai la rage. Milik allait avoir sa passe D. Bon, au moins les deux ils sont rentrés, ils doivent être contents. Continue, on va pas aller en interview d'après match cette fois-ci. C'est dommage. Les gars, je viens de voir un commentaire là sur YouTube par rapport à cette carrière justement. Sawan qui nous dit Udoji ou Baldé en latéral gauche. Parfait, parce que justement en plus c'est ce que je vous demandais dans cet épisode. Il me répond à travers les pensées là carrément. Donc Udoji, c'est vrai que les gars, j'y ai pas pensé, mais 21 ans, bête de joueur, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et après, faut voir. Après Baldé, ça va être trop cher, hein, je pense. Donc on va le laisser là où il est, pardon. Hop, on continue d'avancer. Zegrova, homme du match. Bah écoutez, c'est magnifique. Prochain match face à l'AS Roma. Dans 2 jours. Ah oui, là, il y a le mercato. Ah oui, c'est maintenant, en fait. C'est maintenant qu'il faut le faire. Transfert. Mais est-ce que... Transfert, accueil, transfert. Mbangula. On a aussi une offre pour lui, là. Monaco. Déjà que vous avez plein de pépites, si vous nous piquez les nôtres... Latéral gauche, Ouattara, Gmundsen, il a 74, Oliveira 77, Abner, il a que 73, et Benjamin Mendy, il a que 72. Ah ouais, non, ça va être chaud. Udoji, on va essayer directement de l'acheter. Je sais pas du tout combien il vaut, par contre. Et ça, c'est un peu chaud de se lancer à l'aveugle comme ça, 30 millions d'euros. Il a perdu son temps, les gars, wesh, on n'aura pas d'Udoji. Au niveau gardien, franchement, il nous manque des sous quand même, là.
Je pense qu'on va faire la première partie de saison avec Cabal et puis on verra plus tard. Hein. On verra plus tard pour le reste. Après, ça me dérange pas de prendre Benjamin Mendy ou quoi, mais voilà quoi. C'est pour la Ligue des Champions, c'est pas le mieux. Il me fallait un top player en latéral gauche. Bon les gars, c'est pas grave. Je vais prendre Benjamin Mendy quand même. Il va nous dépanner. Au pire, ça sera la doublure de Cabal et puis voilà. Hein. Mackenzie, Milik. Non, Milik, il est pas vendable. Il est pas vendable. Rui non plus. Timothy Weah non plus. Et McKennie non plus. Laissez-moi tous mes joueurs. Latéral gauche, vite. Wattara-Gmundson, Oliveira. Abner, il a 83. Hein. Après, il a que 68 de vitesse, Benjamin Mendy. Ouais, je vais quand même prendre plus Abner. On part sur Abner, les gars. On va voir. Abner Vinicius, tac-tac. 5 millions d'euros. Normalement, ça suffit pour un joueur comme ça. 9 millions. Lyon, vous êtes cher. 7 millions d'euros, ça suffit ou pas? 7 millions 500 000, vas-y, on accepte. Allez. C'est bien parce qu'on a besoin d'un latéral gauche pour doubler Cabal. Hein. Sinon, j'aurais pas pris. Sporadique, bah écoute, magnifique. Durée de contrat 3 ans, magnifique aussi. Pas de clause de libération et salaire. Eh hey, mon gars, salaire, tu fais le compliqué. La tête de homme, hein. Attention, hein. 43 000, ok, vas-y, c'est bon. Let's go. Allez, Abner qui signe, au moins on a un latéral gauche en plus. Au cas où si Cabal se blesse ou quoi, hein, on ne sait pas ce qui peut se passer dans une saison de football, les gars. Donc, bah écoutez, c'est parfait. Donc là, on va simuler la fin du mercato. Hein, c'est fini, c'est ciao. Tac, on continue d'avancer. Il reste 5 heures. Allez. De toute façon, je pense pas qu'on va vendre. Je pense pas qu'on va acheter. On va se débrouiller avec ça pour la fin de saison, les gars. Enfin, avec ça, avec notre groupe. Et notre groupe, il est très très bon, sans vous mentir. Bonny vers Burnley. Pourquoi pas, hein. Et hop, fin du mercato. Mais moi, j'aimais bien quand il y avait les dernières offres et les meilleures offres de la dernière journée. Dommage qu'ils aient enlevé ça. Jour de match face à, bah, face à la Roma. Hein. C'est parti, les gars. Ils ont mis combien de sur Udoji? 51 millions. Ah ouais, non, les gars, ça fait cher. Hein. Ça fait cher le joueur, en vrai. Surtout, vu notre budget, ça faisait cher. L'AS Roma, équipe dont j'ai perdu beaucoup de matchs cette saison, sur ce début de FC 25, il faut que je sois solide parce qu'ils ont une très très bonne équipe et ça joue très très bien au foot. Ça fait quoi le classement là? On est 5e et bon, 2 matchs de victoire. L'AS Roma, pareil. Naples, Inter, Milan, 3 matchs, 3 victoires. C'est soit nous, soit l'AS Roma qui sera avec eux dans le lot. J'espère que ça sera nous. Cabal, justement, là, il est KO, c'est parfait. Il y a Abner Vinicius qui va démarrer directement. Comiasso également. Et Gachi qui est fatigué, on va mettre Kaloulou. Après, là, Thuram, il ne peut pas jouer. On va mettre Yildiz titulaire direct. Et puis, c'est parti, les gars. Zegrova un peu fatigué, mais ouais, on va lui faire jouer la première mi-temps. Allez, let's go. Face à l'AS Roma, on est à domicile. Donc, logiquement, ça doit passer. Dernier match de cette vidéo, les gars. C'est parti. C'est un duel. Hein. Ça va être chaud. Mais moi, j'y crois, les gars. J'y crois à fond. Donc, c'est parti. Très bien joué. Vlahovic pour Zegrova. Dans la profondeur, Zegrova. Non, le lob, il est pourri. Dommage. Bien joué, ils disent. Par-dessus pour Lookman. Lookman, oui, il est seul, Zegrova, contrôle. Non, c'est quoi cette parade? Mais non, j'aurais peut-être pas dû contrôler au final. Oh là 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 là, incroyable parade de la part du goal de l'AS Romain. Waouh. Mais on commence très bien le match, j'aime beaucoup. Bien joué, Vlahovic. Lookman, on y va. Non, c'est trop poussé. Et Ndika aussi qui pousse. Trop la balle, peut-être. Oh là là, non, j'aurais dû rester debout. Ryan qui fait le bon crochet derrière.
Oh là 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 là, j'ai la rage, j'ai la rage. Bien joué, bien joué. Les gars, c'est un match de ouf face à l'AS Roma. Non, meurs Vinicius, s'il te plaît. La possession change de camp. Voilà, les Sergio gars, il reste Dest 10 relève la minutes là. pression. L'AS Roma, ça fait un petit moment qu'ils sont ici. Aux abords de notre surface. Dovbyk, attention, un très très grand buteur. Très très fort dans le jeu. Et en plus, on lui donne une occasion, encore une fois. Comme Biaso, attention à toi. Hein. Sinon, tu vas plus jouer de la saison. Allez, on a. Ok, Hummel, c'est au-dessus, c'est au-dessus, c'est au-dessus. Ok, on joue tranquille avec Kaloulou. Pour Combiazo. Okatelli. Ok, Coupe Mainers. Bien joué. Zegrova. Zegrova. Allez, faut l'aider, il faut lui proposer des Zegrova. Il gagne pas la touche J'en là. profite pour vous parler un peu des Mon différences de gars. passe. Moi, Sur je suis la sûr passe que de je gagne la touche. conclusion, Hein. la passe de Bien joué, contrôle, la Combiazo. passe de Mais rupture, derrière, il pue la merde en passe, hein, et par des contre. Hein. passes et des Ok, protections il qui sont défend assez bien, on va inutilisées. dire, hein, pour pas dire parfaitement. Oh là Dégagement là, il a une dangereux. grosse faute. Et derrière, il se relève vite. Et l'arbitre laisse jouer avant la Angelino, touche. il joue lui. Il n'a pas de temps à perdre. Ouais, carton jaune, hein, logique. Reprise. Allez, 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 on en profite normalement. Voilà, Zegrova. Ouais, Angelino, il a fait deux tacles en moins de 3 secondes. Le mec, il est trop fort. Il est hyper actif de fou là. C'est quoi ça? Abusé. Bref, Zegrova un peu fatigué, on le sent. Hein, donc, quand c'est ça, on va rentrer. C'est le seul changement pour l'instant à la mi-temps, les gars. Pouah, la mauvaise passe. Ça y est, c'est fini. Lookman, ça en profite, les gars. On en profite. Mon Ricard J. United, c'est n'importe quoi. Et Vlaovic, non! Le poteau Voici la force. Il sortant! Mais marque. non, c'est pas possible. La souplesse prime Le sur manque de l'action. chance, non! 52e minute de jeu, les gars, ils avaient craqué là. Ils avaient fait une Merci passe, d'avoir mais pris le vraiment. relais là sur cette attaque. Aïe, 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 ballon Oh, perdu. j'ai trop la rage. On va lancer Conceição, la pépite portugaise. Ouais, il est passé, c'est Bien dangereux. joué. Coupe Mainer, je sais pas ce que tu fais là, mais le purée, c'est pas possible, les gars. Ça va être chaud. Hein. Il reste 20 minutes, on va les faire ensemble. Le poteau perturbé. Ça va vers le point de Mais pénalty. non, mais il est. Ça va s'éveiller. Calcule la trajectoire du ballon, toi! Purée! Kaloulou! Alors, Kaloulou. Bien joué. Bien joué. Vlahovic. Mais non, mais non, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais peut-être dû tirer avec Vlahovic. Vous en Attention, pensez quoi? beau dégagement. Non! Dovbyk reste là, mon gars. Oh. Ah, il faut Franchement, récupérer si ce avec cette poussée ballon. de balle, il passait. C'est quoi ça, Dovbyk. Kaloulou? Mon gars! C'est quoi ces pieds Il là? remet de la fraîcheur avec ce Pas changement. normal de faire une passe comme ça. Coupe Mainers. Par-dessus. Ouais, la passe aérienne. Pour qu'on ne sait Il ça peut faire oh, plaisir qu'on ne à sait Dovbyk. ça oh, deuxième, Ce Lookman. petit but Oui? qui serait une délivrance. Oui? Oh là, qu'on ne sait ça oh. Oh. Mais non, c'est pas possible! Il reste 9 minutes dans ce match, les gars. Est-ce que ça va le faire? Oh, Bremer. Bremer, mais non! Mais non, on était à ça, encore une fois, de marquer! Purée, c'est pas possible! Ok, Dybala, il l'aura pas. Kaloulou. Il reste 5 minutes, les gars. Mais non, Manu Koné, laisse-nous le ballon, là. Bien joué. Mais non, mais Cambiasso, c'est de la grosse merde ce que tu me fais. Il faut parler français, les gars. Faut parler français des fois. Cambiasso, niveau passe, il pue la merde. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le Bien temps réglementaire. joué. Bien joué. Bien joué. Des soucis On dans y cette attaque va? là. Nous assistons à un moment Vlahovic. décisif dans ce match. Un but, ça suffit pour Purée. conclure. Oui. Oh oui. Oh, il nous Attention, donne le le coup but franc. reste à l'arrivée. Mais non, wesh, on le fils de purée! D'ailleurs, moi, je voulais la mettre en haut. Hein. Oh non! Oh, le gamin, l'arbitre, wesh, il a rien laissé. Oh, il a rien laissé. 0-0 face à l'AS Rome. Franchement, c'était un match magnifique, les gars, mais il n'y a pas la victoire, donc... J'ai la rage. J'ai la rage. Du coup, on est sixième. Égalité avec l'AS Rome.
Purée, les 4 premiers ont gagné. Fiorentina, Naples, Lombardia et Milan. 3 matchs, 3 victoires. Ils sont chauds, hein? Ils sont chauds. Bon, on va regarder vite fait ce qui nous attend pour le prochain épisode, les gars. Et puis, on va se quitter, hein? Prochain épisode, Empoli, PSV, Naples et sûrement Genoa. Naples, ça va être chaud patate aussi, hein? Purée. Bon, les gars, c'est la fin de cette vidéo. On s'attrape très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!